Une personne sur 100 trouvera la solution de cette énigme. Trois collègues se réunissent pour acheter une télé et ils ont un budget de 100€ par personne. Le lendemain, ils vont au magasin et ils achètent la télé. Le problème est que le vendeur s'est trompé et en fait la télé ne valait pas 300€ mais bien 250. Du coup, le patron donne 50€ au vendeur et dit « rends les sous au client ». Le vendeur, il est pas bête, il se met 20€ dans la poche et il dit « moi je vais leur rendre 30€, c'est-à-dire 10€ par personne ». Au final, les trois amis n'ont pas mis 100€ chacun, mais bien 90€ par personne pour acheter la télé. Si on additionne ce qu'ont mis les trois amis, ça fait 90 plus 90 plus 90, soit 270€. Et si on additionne en plus les 20€ que le vendeur s'est mis dans la poche, ça fait 270 plus 20€, 290. Comme tu l'as deviné, le problème est qu'il manque 10€. D'où ma question, où sont passés les 10€? N'hésite pas à m'aider en me le disant dans les commentaires.